Et bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Clash Royale. Donc aujourd'hui on va partir avec ce deck dans le tournoi mondial de la saison 12. Mon objectif ce ne sera pas de tryharder de toute manière. Ce genre de défi là je tryhard jamais, c'est pas mon truc. Voilà, je ne vous mettrai que les games intéressantes en vidéo. C'est-à-dire que, voilà, il y en a vraiment, vous voyez là par exemple j'ai déjà une défaite. Je suis tombé contre un deck Arc X, Miroir Arc X. J'ai rien pu faire, mais enfin, c'est de la défaite sale, quoi. C'est pas beau à voir. C'est. Même au niveau du gameplay, tout ça, c'est pas beau, c'est pas intéressant. Moi, je vais vous mettre des choses qui soient intéressantes, que ce soit une victoire ou une défaite. C'est. Mon objectif, c'est pas de vous cacher mes défaites. C'est juste de vous proposer des choses intéressantes, parce que si la vidéo n'est pas intéressante, bah, elle ne sert à rien, tout simplement. Et mon objectif, comme je vous l'ai dit, va donc être d'arriver à la quatrième victoire pour décrocher le jeton rare, qui est le jeton que j'ai le plus de mal à avoir, comme vous pouvez le voir. J'en ai à zéro, comparé aux autres. Et il me permettra donc de farmer mon mini PK, qui est la carte que j'essaye de passer niveau 13 en priorité. Parce que voilà, elle dépop bien, quoi. Déjà, niveau 12, elle est forte, hein. Vous voyez, et elle dépasserait les 800 de dommages par coup si j'arrivais à la passer niveau 13, et avec ce jeton d'échange je pourrais en gagner 50 d'affilée. Donc voilà, c'est notre objectif du jour. On y arrivera ou on n'y arrivera pas. On part tout de suite pour un premier combat dans cette vidéo. Alors contre un niveau 8, bah, c'est en lui bonne chance pour commencer. Alors j'ai pas une main de départ. Ouais, remarque. Il m'aurait fallu ma sorcière en main de départ. Hein. C'est un peu ça le problème. J'aime pas quand j'ai pas ma sorcière en main de départ. Pour moi, c'est une nécessité, la sorcière en main de départ. Ouh là là, alors ça j'aime même pas ça. Les recrues, c'est pas mon truc. Alors, comment allons-nous gérer ça? Je vous propose ici de mettre simplement une bûche, et là on va mettre le Mega Knight, hein, on va pas s'embêter. Voilà. Il y a un moment, faut pas non plus prendre des risques pour le plaisir. Au passage, ça va le déstabiliser un petit peu, je pense qu'il s'attendait pas au Mega Knight. Voilà. En plus, on va aller gratter des dommages sur la tour. Sans perdre pour autant d'élixir, j'aurais pu mettre un chasseur, mais je préfère mettre une sorcière parce que ça va contre-attaquer. Tout simplement. Hop, et on se repose un mineur qui va tanker pour les petits squelettes de la sorcière. Il pose sa bûche, je sais pas si c'était franchement malin. Peut-être, hein, j'en sais rien. Bon, la sorcière qui va être défendue. Plutôt bien, je dois dire. Pour l'instant, voilà. Voilà, je vais juste mettre un chasseur sur le côté, ça suffira amplement pour nettoyer toute la zone. On pourrait se mettre une petite voleuse devant, l'histoire de dire que voilà. Tac, voilà, donc là on va se prendre la première tour. Ah d'accord, il abandonne pas, moi j'ai cru, vous voyez, je commençais à penser qu'il avait abandonné. Ce serait bien s'il pouvait... Non, il veut pas remettre ça. Non, bon bah d'accord. Moi, je vais juste défendre ça comme ça. Là, je vais envoyer un mineur. D'accord. Là, il nous pose sa fameuse sorcière. Ok. Donc, ben, chasseur fond de terrain. Et puis, hop. Mega Knight, hein. Le Mega Knight qui retombe. Et oui, déjà. On va essayer de bien nettoyer la zone. On va se remettre un mineur qu'il ne pourra pas anticiper car on va le mettre d'un autre côté. Et hop, on est déjà sur le point de prendre une deuxième tour. Si ce n'est pas même la tour du roi. Hop, on va essayer de... Tac, ouais. Bon bah, on prendra... Ah oh, si, peut-être. Et voilà, on a pris les 3 tours, on a pris les 3 tours. Oh, ça s'est vraiment joué une seconde. Bon, dans tous les cas, on avait gagné. Bravo à lui, il a bien joué.
Alors, donc on a notre première récompense. Bon, un petit coffre, on va l'ouvrir. Oh! Oh, du mini P.K. tiens, pour une fois. Pour une fois, j'ai du mini P.K. Bon, on repart pour un deuxième combat. Que ce soit une victoire ou une défaite, nous verrons bien. Alors. Bon, déjà, c'est une main de départ un peu mieux, je trouve. Il y a de la bûche pour défendre, de la sorcière pour poser en fond de terrain. C'est déjà un peu mieux. Je préfère ces mains de départ-là. D'accord. Donc c'est un joueur foudre. On va voir si on peut essayer de l'avoir avec le petit combo. D'accord, bon. Elle va pas dasher, mais au moins elle va taper un ou deux coups. C'est toujours ça, me direz-vous. Là, je sais pas trop quoi faire. Je vais juste poser ça comme ça. Je vous avoue, là, j'avais pas d'idée. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut bien mettre? Chasseur. Ok, là on va aller dépop ça parce que le chasseur doit se focus sur le ballon à tout prix. Et je pense qu'on a un push déjà pas trop mal. Ok, le chasseur qui va commencer à nettoyer un peu les barbares, je pourrais les finir à la bûche. Ça c'est pas trop grave, c'est pas ça qui pose problème. Voilà, la bûche qui tombe dès maintenant. Voilà, bon, les barbares ils sont finis, pas besoin de s'en soucier. Au pire, on va mettre une voleuse histoire de pas trop se prendre les coups de bombeur. Parce que les bombeurs, mine de rien, ils peuvent faire très mal, même un niveau 7, hein, ça peut vite te taxer à 200 de dommages sur une tour. Et paf, on prend la première tour. Ça, c'est fait. Bon. Ce que je vous propose, il va très certainement repartir avec un ballon. Voilà, déjà, on va nettoyer ça comme ça. Je pense. Ouais, non, non, il abandonne pas. Hein. Donc. Je pense qu'on va repartir tout simplement avec une sorcière de l'autre côté. Parce que je pense pas, vu que s'il abandonne pas, je pense pas qu'on arrivera à prendre les 3 tours. Une deuxième fois qu'il nous met une foudre. Tac. On pose. Tac. On va essayer de faire survivre notre Mega Knight. On va lui mettre un chasseur. On peut mettre une voleuse ici. Bref, là on bourre l'attaque, on bourre l'attaque. Là faut que ça passe. Un moment c'est bon, on a bien rigolé. Maintenant, oulala. Attention, attention le ballon. Je sais pas si c'était vraiment utile ce qu'il nous a joué là. On va tenter de faire passer le dragon de l'enfer. Pour essayer. Ah non. Ok. Bon, on ne prendra qu'une tour dans cette game, mais il a quand même très bien joué. Il n'avait pas le deck pour jouer face à nous. Il n'avait pas le bon deck, mais il a bien joué. Voilà, bien joué. Au passage, un petit défi qui s'avance là-haut, une quête, pardon. Hop, donc là, on remporte un jeton commune, plus 250 d'or. D'accord, moi je sais pas d'où ils sortent les 250 d'or, mais bon. Donc là, il nous reste un coffre en or à avoir, et ensuite, on accédera au fameux jeton tant désiré. Essayons, nous repartons directement pour un troisième combat déjà plus équitable, niveau 9 à niveau 9, enfin dans les défis de toute manière. Voilà, on va poser un chasseur fond de terrain. Ok. Ouh, j'ai eu peur de l'avoir posé une seconde trop tôt. Sur l'Arcoïx, le problème c'est qu'il se focus très vite. Il a très vite fait de se focus sur les troupes et il peut faire très vite très mal. Ok, le chasseur qui, s'il n'est pas défendu, mettra un coup. Très bien. Là, on va pas prendre de risque. Je sais, je bourre un peu la défense, mais on va pas prendre de risque inconsidéré. Voilà. Malheureusement pour lui, il a mis une boule de feu, mais qui ne touchera pas la sorcière. Ça peut le pénaliser. Regardez, il a plus assez d'élixir. Donc voilà, on va prendre une tour sur cette action. Là, chasseur pour. Oh bon, il n'y a même pas besoin. Il n'y a même pas besoin. J'hésite. Vraiment, vraiment, j'hésite. Est-ce que je pars sur la tour du roi ou pas du tout? Non. En tout cas, pas tout de suite.
On va attendre un tout petit peu, on va se refaire un peu d'élixir. Voilà, ça, on va essayer d'aller le dépop rapidement. Et maintenant, oui, là, je dis oui, on peut repartir vers la tour du roi. Ça peut être faisable. Si on arrive à gratter un peu, ça peut le faire. La voleuse qui défend et qui redash sur la tour, qui tank en plus pour les squelettes. Faut que je fasse très attention là par contre. Parce que je n'ai plus les bonnes cartes en main pour défendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il arrive. Voilà, pour mettre chasseur. Aïe aïe aïe. Ouais, non, là on va perdre la tour malheureusement. Il a très bien joué. Il est bien remonté. Et on va non seulement perdre la tour, mais en plus, potentiellement, voilà, prendre un petit peu cher. Donc faut faire attention, faut faire très attention. La game n'est pas finie. Voilà, là on va pas s'embêter, on va mettre ça. Je vais aller gratter un peu. Aïe aïe aïe, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Je peux même pas mettre quoi que ce soit. De toute manière, je ne vais rien mettre parce que je sais très bien qu'il va reposer un prince, donc je vais hop défendre à la sorcière. Et en attendant, je repars avec un Mega Knight. Il faut faire très 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 attention surtout au ballon qui peut sortir d'un moment à l'autre. On va tenter la bûche, on met le chasseur en défense et on prend les trois tours. Très bien, nous sommes à un seul combat décisif de remporter le jeton. Voilà, là, on a un petit coffre à ouvrir. Ouais, il était pas dégueu ce petit coffre. Donc voilà, je me suis permis de faire une coupure tout simplement parce que la dernière game était vraiment pas intéressante du tout. Non seulement j'ai perdu, comme vous pouvez le voir, avec la deuxième défaite qui est affichée à l'écran. Mais c'est même pas ça le problème. Moi, une belle défaite, du moment que le gameplay est intéressant, je peux toujours la partager en vidéo. Non, là, c'est vraiment que j'ai fait que des gourdes. J'arrêtais pas de misclick ou de misplay. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Je suis tombé contre un deck qui avait vraiment tous mes counters possibles. Chaque carte, il pouvait me le counter à coup sûr. Donc, j'avais rien, je pouvais vraiment rien faire. Il a bien joué, mais pour le coup, c'est moi qui ai fait n'importe quoi, donc je vous épargne cette game et on repart pour un combat en essayant de décrocher le jeton, le fameux jeton. C'est un combat équitable, niveau 9 contre niveau 9. Tac, je vais essayer de hop, dépop tout ça. Là, on va voir si une petite bûche peut s'avérer sympathique ou pas. Bon. Ah mince alors. Tac, bon bah je vais devoir faire ça. Hein. Ah là 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 là, il met beaucoup trop de temps à tuer les troupes. Là. Il est bien quand il atterrit, mais alors en dehors de ça, c'est le bomber derrière. Le bomber, il faut faire extrêmement attention parce qu'alors lui, pour faire mal, il peut faire mal. Il faut tenter tout de suite un mineur pour tanker de cette sorcière. Heureusement que j'ai mon dragon de l'enfer pour tenter tout du moins de counter la chose. Et évidemment, le dragon de l'enfer qui mongolise et qui ne se focalise pas du tout sur la bonne troupe. Encore une fois, on est heureux. Bon, on a un léger avantage. On a un léger avantage, on ne va pas forcer plus que cela. Hein. De toute manière, le dragon de l'enfer est counter à 99% du temps, il ne passera pas. Là, le mini P.K. qui va se charger de toutes ses troupes. Voilà, ça c'est bon. Je vais tout simplement mettre une bûche. Parce que j'ai vraiment pas envie de défendre ça avec une sorcière ou je ne sais quoi. Et on va repartir avec une sorcière en fond de terrain. On temporise. On temporise. On a gratté en plus 93 PV avec la bûche. J'ai presque. J'hésite. Non, allez.
On va jouer sérieusement. J'avais presque envie de tenter un mini P.K. de... pas un mini P.K., je veux dire une voleuse, pardon, de l'autre côté. Mais je ne préfère pas m'essayer à cela. On ne sait jamais. Attention! Ouh! C'est pareil, ça. Faire très attention avec ça, parce que le... On va aller gratter un peu. Allez, dash, 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 dash. Dashez tous. Voilà. C'est quand même pas compliqué. Il y a un pauvre bomber. Et malheureusement, le Mega Knight et la voleuse qui vont tous deux dasher sur la tour et qui nous font tomber la première tour à 390 PV. Je tente cette fois-ci ce que je n'ai pas osé tenter, soit dit en passant, la voleuse de l'autre côté. Ça ne passera pas du tout. Là, la tour qui tombe. Pile poil sur l'extra time. Il a bien joué. Il a franchement bien joué. Vous voyez, cette game, je la laisse dans la vidéo. Parce que, pour le coup, il a bien joué. Et moi aussi. Enfin, on a vraiment fait de notre mieux. Il me reste deux possibilités de défaite. C'est là qu'il faut faire très attention. Ce serait quand même dommage de passer à côté d'une aussi belle récompense. Enfin, pour la plupart d'entre vous, c'est une récompense comme une autre. Mais moi, c'est vraiment une récompense qui m'intéresse. Parce que ça me permet de farmer. Une carte que j'essaye de farmer depuis longtemps, qui avance vraiment très lentement vers le niveau maximum. Donc c'est parti, on repart pour un combat, on verra bien ce que cela donnera. On va souhaiter bonne chance à cet adversaire, à ce nouvel adversaire. Bonne chance mon ami, que la force soit avec toi, mais quand même un peu moins qu'avec moi si possible. J'ai vraiment une main de départ pas tip top, donc tout ce que je peux faire c'est ça, hein, clairement. Avec un... Ok, là on va mettre une sorcière. Elle va un peu défendre tout ce qui arrive là. Et avec un peu de chance, avec un peu de chance, on... Ouais, non, 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 non. On va laisser, on va se poser tranquillement dans le fond. Ah, dans le fond de terrain, j'allais dire. Je me prépare une voleuse vraiment au cas où, parce que je pense que le mini P.K. va survivre. Voilà pourquoi je me prépare une voleuse. La voleuse défendue, évidemment, hein, c'est pas une surprise. Là, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen, si jamais notre cher chasseur voulait bien survivre. Il ne survivra pas, on va mettre une voleuse, histoire de pas se prendre de coups. Une voleuse, une bûche, pardon. Je raconte absolument n'importe quoi. Très bien, là c'est la sorcière qui tombe. Faut espérer, je pense qu'il a un léger avantage sur nous en termes d'élixir. Faut espérer qu'il ne parte pas avec un push rapide à droite, parce que là je serais franchement pas bien. Et on repart directement, évidemment c'est défendu, mais... Ah bah non. Vous voyez, je me demandais si des fois on pourrait pas gratter un petit peu. Eh bien, pas du tout. Il faut faire attention qu'il ne nous mette pas un double push. C'est là que ça peut devenir dangereux, c'est s'il a de quoi faire un double push. Il a un deck qui clairement coûte moins cher que le nôtre. Hein. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention, voilà. Peut-être avec une petite voleuse devant. Pour l'instant, je ne force vraiment pas. Pour l'instant, je laisse couler, je temporise. On verra bien ce que cela donnera. Là, on va se mettre ça à ça. Faut pas déconner. Et là, on peut tenter une approche. De toute manière, il a son armée squelette, hein, quoi qu'il arrive, on s'en doute. Hein, voilà. Ouais, c'est que cette game, mine de rien, va être plus compliquée que ce que j'aurais pu croire de prime abord. Avec un peu de chance, le dragon de l'enfer. Ah non. Ça m'aurait étonné. J'ai vraiment rien à mettre là. On va mettre ça. Puis bah là, on va mettre ça. Hein. Clairement, j'ai vraiment rien à mettre. De toute manière, il y a bien quelque chose qui finira par passer. Soit chez lui, soit chez moi. De préférence, j'aimerais mieux que ça passe.
de notre côté, enfin, que nous passions. Ah, il défend bien, il défend, il s'accroche. Ah mince, mince, je perds de l'élixir depuis tout à l'heure, j'ai pas vu. Eh bien, vous savez quoi? Il avait l'air de galérer un peu. Paf, on repart directement avec un Mega Knight et une voleuse de l'autre côté. J'espère que c'était pas trop. Des fois, j'ai tendance à abuser un petit peu. Là, on va mettre ça de l'autre côté. On va simplement défendre avec une bûche. Il a bien défendu pour ça. Nous, on n'a pas dit notre dernier mot. Je pense que là, on commence à passer. Il commence à faiblir un peu au niveau de la défense. La défense adverse. On a commencé à trouver des petites failles. Ok, faut pas perdre d'élixir. Là, je vois que je suis encore à 10. Tac, on repose un Mega Knight. On repose un dragon d'enfer. On repose une bûche. Oh, la bûche qui va être vaillou pour le coup. Voilà. On repose un mineur pour gratter. On repose une sorcière. Double sorcière. Ça fait du spawner. Chasseur fond de terrain. Le Mega Knight qui va tomber d'une seconde à l'autre. La bûche pour gratter. Le mini P.K. ici, qui est d'un niveau plus élevé que le sien. Le mineur pour gratter. Là, faut vraiment enchaîner, il faut vraiment essayer de le outcycle, en fait. C'est le seul et unique moyen qu'on a de gagner, c'est de le outcycle un petit peu. Autrement dit, qu'on arrive à cycler tellement vite qu'il ne sache plus où donner de la tête, tout simplement. Ok, là, on va défendre ça comme ceci. C'est parfaitement défendu. On ne rajoute absolument rien. Et c'est la victoire, il n'a même pas réussi à toucher nos tours. Et voilà, mesdames et messieurs, nous avons débloqué le jeton. Ah là, je suis fier. On peut s'applaudir, c'était vraiment une belle game, on a vraiment géré du début à la fin. Le pauvre n'a même pas réussi à toucher nos tours. Même pas ne serait-ce que les effleurer. Alors je vous propose de faire deux choses pour finir cette vidéo. Premièrement, on va se faire une demande quand même. Après tant d'attentes pour débloquer ce jeton, on va faire une demande. Alors je sais que souvent ça c'est des cartes qui sont demandées. On peut mettre de la boule de feu aussi. Et c'est parti, on programme l'échange. Le petit please. Voilà, donc on verra bien ce que ça donnera. En attendant, on va pouvoir s'ouvrir deux petits coffres. D'une, ce coffre en or, bon, on s'en fiche. Alors, quel est le prochain coffre? Ah, un coffre épique, tiens, ça m'intéresse. Parce que dans mon deck, j'ai quand même deux épiques, la sorcière et le chasseur. En particulier le chasseur que j'essaye de passer au niveau 12. Donc ça m'intéresse, un coffre épique. Je vais le farmer. Et je vous propose d'ouvrir ce magnifique coffre magique. Qu'en dites-vous? Hop, c'est parti. On l'ouvre. 1504 d'or. Ça fait plaisir. Un collier royal. C'est peu. On n'aura clairement pas de légendaire. Quand tu commences déjà sur aussi peu, t'es sûr qu'on n'aura pas de légendaire à 100%. Alors là, ce serait vraiment l'histoire de me contredire s'il y en avait une, non? Parce que là, je ne vois pas comment on peut en avoir une. Quoi qu'il en soit, j'ai des bonnes cartes, je suis content. Ce serait bien de finir sur de la bonne épique, là. Alors, de la roquette, décidément, ils ont décidé de nous refourguer de la roquette en ce moment. Allez, une bonne épique, s'il vous plaît. Du gel, ça c'est bien, parce que j'ai, il me semble, deux ou trois amis qui jouent à un deck avec du gel. Donc je pourrais leur faire des échanges. J'en ai pile poil 10. Donc je pourrais leur faire des échanges pour gagner du chasseur. Ça, c'est parfait. D'ailleurs, regardez, c'est ce qu'on va se faire en live dès maintenant. Tac. Alors, on pourrait leur proposer bah, du coup du gel, hein. Du bourreau, évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer d'autre? Dites-moi, dites-moi. Du bébé dragon, c'est plutôt prisé. Et allez, du fût. Tac. Voilà, on a deux échanges qui sont partis. Sur ce, je vais vous laisser. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas d'un à la liker et de deux à me mettre ce qui vous a plu ou des petits conseils, des recommandations dans les commentaires. Si vous avez des adeptes de Clash Royale,
dans vos entourages, bah, n'hésitez pas à leur partager cette petite vidéo. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir les accueillir et discuter avec eux. Bref, sur ce, je vous dis à plus.